Donc ça s'est passé en 2017, le 9 mai. Aujourd'hui, plus de 5 ans plus tard, on n'a aucune inculpation. Aucun policier n'a été inculpé. Inculpé, simplement on leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi deux jeunes gens ont perdu la vie. On n'a pas encore eu ça. Donc on ne demande que ça pour l'instant. On ne l'a pas. Donc vous imaginez, 5 ans, c'est choquant, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Je vais donner la parole à l'avocate de Sabrina, Selma, qui va expliquer ce qu'elle peut expliquer à ce stade. Ce n'est pas normal que plus de 5 ans plus tard, ces policiers ne soient toujours pas devant un procès public. Le droit à un procès public, c'est le droit pour la famille et pour le public de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il y avait une moto le soir, que cette moto, des policiers ont voulu la contrôler pour une infraction tout à fait mineure, ils n'avaient pas mis leur clignotant et ils n'avaient pas les vêtements de sécurité adéquats. Et les policiers qui avaient la plaque, ils auraient pu envoyer une amende au domicile du motard. Et c'était fini. S'il roulait trop vite, il aurait pu être convoqué au tribunal de police. On pouvait lui retirer son permis. Et c'était fini. Mais les policiers, pour une raison qu'on n'explique pas, pour une raison complètement dingue, ont décidé de les poursuivre, à une vitesse complètement folle et de les arrêter, y compris en le faisant tomber, y compris en mettant sa vie en danger. Et là, il y avait deux vies qui ont été mises en danger, puisque Sabrina était passagère et donc encore plus vulnérable à l'arrière de la moto. Et pour ça, on dit que c'était une faute d'avoir entamé cette poursuite. Cette faute a causé la mort. Il y a en tout état de cause un homicide involontaire et il faut qu'il puisse se retrouver devant un tribunal parce que ça n'est pas normal que des policiers puissent, 5 ans plus tard, ne pas être jugés pour ce qu'ils ont fait. Merci. Espérons une véritable justice. Activiste du hip-hop, tu connais la devise. Unity, love and peace. Sauver une belle jeunesse au talent caché. Une paire de plus pour deux vies gâchées. C'est le cœur d'une mère qui s'est brisée. Deux morts sur la conscience, c'est important que vous sachiez. Wassim, Sabrina, deux jeunes sans histoire. Deux noms gravés à jamais dans la mémoire. Deux absents au parloir, c'est tellement dur à y croire. Wassim, Sabrina, où que vous soyez, le corps sous terre, une âme s'envole, une dernière prière. Force, pensée, courage à la famille, aux proches, à ses amis. Allahu Rahman, merci à vous.